va se faire yo, pas de Fortnite. Ça va ou quoi? On se retrouve du coup pour aller FNCS la troisième semaine et dernière. Par contre, j'ai pas le son. Ah, peut-être. Bah, si c'est. Je sais pas. Moi, j'ai pas le son. Moi. Si, si, on est content. Ils vont pas se tuer. Je vais niche. C'est moi qui vais niche. Non, non, ils sont beaucoup. Ça vient de moi ou? Je vais niche moi. Attends, je relance studio, c'est peut-être moi. Ah, les contesteurs, ça nous conteste en open. Ils vont sur les autres maisons. J'avais branché mon casque après avoir ouvert celui, donc c'est peut-être pour ça. Un blanc, un jaune. Vite. Bon, space, mini, grosse. Ah, voilà, c'est bon, j'ai tout. Ah, du coup, comme je disais, c'est la dernière chance de se qualifier pour CFNCS, les amis. Bon, évidemment, on se doute bien que pour Floki, Clément et Deceptos, on est déjà sûr d'aller 8, évidemment. Mais il reste quand même encore la dernière chance de pouvoir esquiver justement les hits et d'aller directement en grande finale. Donc, il y a quand même quelque chose à jouer pour cette équipe-là qui, on le rappelle, malheureusement, la semaine dernière, a fait top 4. Évidemment, le top 4, c'est un peu à la place du. Bah, du comment dire, du. Du roi des cons, quoi, on va dire, tout simplement, quoi. Donc bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Du coup, on va essayer de faire mieux que la semaine dernière et d'essayer de faire ce top 3 cette fois pour éviter les hits. Parce que, en tout cas, si on peut les éviter, on va pas dire non. Vu comme les hits sont et qu'on sait que ça peut être un gros problème à chaque fois. Donc voilà, tout simplement. Du coup, pour Emir aussi, on est déjà qualifié pour les hits, c'est sûr, mais pareil, on va faire la même chose. Du côté de ma gueule, par contre, je crois qu'il est obligé d'aller en finale, dans la finale de qualifier, au moins pour pouvoir aller au 8. Je crois qu'il y a un truc comme ça, il me semble, parce qu'il a pas fait trop de points. Pour Hunter, je crois que c'est à peu près pareil, il me semble. Enfin, il a déjà fait une finale, mais il avait pas fait assez de points. C'est vraiment compliqué les délires, mais donc voilà. Donc tout le monde peut encore évidemment se qualifier. On en a juste deux, on est sûr à 100% qu'ils vont au moins 8. Mais le but, c'est voilà, c'est d'essayer d'esquiver les hits. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui pour tout le monde. Parce que là, c'est le premier. Je vais même pas ouvrir Fortnite Tracker, je suis nul. Fortnite Tracker. Qui event FNCS Europe. Voilà. Du coup, on le rappelle, c'est le top 1500. Hein. Là, aujourd'hui, demain à 15h, vous avez le round 2 et à 19h, le round numéro 3. Et évidemment, dimanche, la finale, tout simplement. Ouais, je crois qu'il doit faire au moins demi ou un truc comme ça au minimum, je crois, pour se qualifier. Parce que c'est pas parce que t'as fait une finale que t'es sûr d'être 8, ça marche pas comme ça. Donc, merci beaucoup Walidox pour ton prime, merci beaucoup frérot. Merci. Allez, on peut voir déjà des kills pour un tiers RS à Azok. 3 en l'occurrence, aucune équipe entière qui a été délète au spawn. On va essayer d'upgrade un petit peu son stuff ou tout simplement de vite avoir un petit peu de stuff et partir à la bagarre parce que on le sait, il y a beaucoup de champions maintenant dans ces derniers qualifiers d'FNCS et du coup on essaye d'avoir entre guillemets un stuff basique et à l'époque tout le monde pour essayer de récupérer le maximum de points dès la première game. Il y a full mini dans mon bot. Hein. J'ai 2 moi. Vas-y. 3, 2, 1. Oh bah ça dort là. Dommage, ça dormait un petit peu là pour venir, mais on a quand même réussi à récupérer un premier KO déjà et on va continuer à push. Première game du coup, on décide d'aller à Kati, ce que je peux comprendre vu que c'est un spawn évidemment très fort. Et je pense que c'est même un spawn encore plus fort pour les premières games de ce genre là où il faut push un petit peu tout le monde. Vu que t'as beaucoup de piment, beaucoup de stuff rapidement, je pense que ça peut être pas mal aussi comme pour une première game en tout cas. Après je sais pas si ça va vraiment être leur spawn tout le temps, ça aucune idée. Mais déjà, juste pour une première game, je trouve ça intelligent d'aller là-bas. Ah, il a spawn lazy. Ah d'accord, ok, bon au final, ça changera, ils ont quand même rotate Akachi. Ils peuvent récupérer ce qu'il y avait en trop et pour pouvoir aller tout simplement continuer dans cette game tranquillement. Vas-y, mets-toi en piment, il va chercher les voitures. Il y a des solaris de partout, là. J'ai zéro. Allez, on prend directement la voiture. Vous voyez, on perd pas de temps. Vraiment, on perd pas de temps du tout. Le fight a été clean rapidement. On a pris vite fait ce qu'on pouvait. On prend la voiture et on se casse. Et on va directement chercher d'autres adversaires pour. Justement, on vient d'en trouver juste à l'instant. Oh bah, force mon pote pour te barrer de là. En plus, il est tout seul. Ah bah, il était tout seul dans tous les cas dans la game. Donc bon, voilà quoi, GG. Tu peux fermer la porte s'il te plaît. Merci. Et du coup, hop, allez, on reprend la voiture et on repart. Allez, on n'a pas le temps. Merci beaucoup, DNL 93 230 pour ton prime. Merci beaucoup, frérot.
Merci à, si à John Crinchton pour ton prime de 14 mois et le train de la hype, évidemment. Pour commencer, c'est FNCS qui fait directement son entrée, les amis. Et ça, j'aime bien. Pour commencer, les FNCS, tranquillement. Et tu sais que s'il va 8, bah non, il va pas 8. En plus, je crois qu'il joue pas. Je crois pas qu'il joue ce week-end-ci parce que je crois qu'il est en vacances ou je sais pas trop quoi. Je sais pas du tout, mais je crois pas. Je sais pas, en vrai, j'en sais rien. Oui. On a réussi à mettre pas mal de dégâts pour Dacé, par contre, c'est fait break shield, donc attention quand même de pas y aller non plus bêtement. On va juste prendre un piment et on va y aller en mode Fast and Furious maintenant à 3. Et en plus, il y a l'effet Naruto, incroyable, jamais. Mais on sait pas ce qu'il fait, il dort sur le PC là sans construire, il est un peu bizarre. Ils sont 35 blancs, ils sont trop nazes. Là, ils, moi, sont... Je ils sont un petit peu, peut-être pas naze, c'est un terme assez agressif, non, mais on va dire que nos joueurs sont un petit peu, même beaucoup plus forts que ces adversaires-là. Là, on réfléchit pas du tout, en plus on rentre vraiment dans le tas et ça passe sans aucun problème. Merci à Deluxe Cup pour ton récit de 3 mois. Et on passe au niveau 2 du train dans la hype. Et MC. J'ai hâte de casse la Cup Predator Racing avec Romain Grosjean. Ouais, ça va être cool en vrai. En vrai, ça va être cool demain. Ça va être cool. Bon, après, c'est embêtant parce que c'est en plein milieu des FNCS. Du coup, ouais, bah oui, demain je casserai pas la demi-finale. Je sais pas trop comment ça va se passer. On verra avec Tape et tout qui va me remplacer. Mais c'est vrai que demain je pourrais pas. Le timing est un peu relou, mais c'est comme ça. J'ai une question pour toi. Bah vas-y. Tu peux, allez, vas-y. Si c'est de la merde, je te banne, mais voilà, sinon voilà quoi. Et le Yosh hype pour Fnatic et Adam. En vrai, si la rumeur est vraie, c'est vraiment cool pour lui. En plus, on se connaît un petit peu. Genre, on a un petit peu parlé déjà de temps en temps. Et c'est mérité. C'est mérité. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool pour lui. Merci beaucoup, Tatan Row, d'avoir offert un sable à la commu. Ce serait mérité. C'est vraiment cool. Après, voilà, c'est l'histoire de contrat, bordel. Et un gros G à la K-Corp, évidemment, de. D'avoir réussi à faire grandir un joueur comme ça aussi rapidement, donc c'est cool les carrières comme ça, c'est beau, c'est vraiment beau. J'ai pas reçu mon casque Logitech, donc tu as cru que j'étais le service après-vente de Logitech ou c'est comment mon frère? C'est un peu bizarre toi, non? Enfin, je sais pas, c'est comme ça, mais. Et c'est l'anniversaire d'Emir aujourd'hui, c'est vrai. On peut pas le fight celui-là. N'hésitez pas évidemment sur les réseaux, Twitter, Insta, etc. À lui lâcher un petit message au petit Mimir là. Son anniversaire aujourd'hui, il a 19 ans. Eduardo. On va trop voir la K-Corp en ALEC. Ouais, mais là ça coûte un peu plus cher par contre. Donc ouais, malheureusement c'est plus compliqué. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Que vous allez bien. Floki, Clément et Deceptus qui continuent d'essayer de récupérer des kills aussi. 85. On tente des petites flèches évidemment. Même type de game, on voit bien, on est bien au-dessus de tout le monde, donc on pousse de partout. Et oui, 20 millions en slot LSC. Et oui. Et c'est comme ça les amis, c'est pas nouveau. Il s'est caché dans le bush. 85 encore la team à droite. Encore, c'est juste le slot, après il faut que tu payes tes joueurs et tout le bordel, donc bon. Je suis en train de cramer. Y'a un stuff, ouais. Voilà quoi. Non, ils l'ont pas tué quand même. Vous avez eu du blanc? Ah, y'a des choux sur moi, 13 choux. Bah, c'est ouais. Mon chemin, là je le vois pas. On pense quoi de la cup console? Bah, pourquoi pas. Je trouve que ça fait quand même beaucoup d'argent pour une cup console, mais. Au final, ça reste quand même cool. De leur faire une petite cup pour eux, dans leur coin pour une petite. 250 000 $ quand même, donc bon, c'est tout sauf petit, mais c'est, au final c'est bien. Au final, je trouve ça plutôt cool. Donc, et en plus, bah, comme par exemple pour ma gueule, ça va être sympa pour lui. Il va pouvoir jouer avec des bons manettes et que des manettes pour le coup. Et espérons pour lui que ça fera le meilleur résultat possible. Quoi, donc, parce qu'il va pouvoir gagner potentiellement 100 000 balles. Donc bon, à y être, ça peut être plutôt cool. Parce que j'ai vu qu'il y avait des pros qui essayaient en mode ouais, je vais essayer de la faire nana avec une manette, mais bon, si t'as jamais joué manette. Et... Même si t'as déjà joué un peu, t'auras pas le niveau d'un vrai joueur manette, donc ils vont se faire pulvériser. Ah, c'est beaucoup la pompe de MXR pour ton premier tour de 14 bon wesh le Yosh ready pour ce week-end de casse, bien sûr. Merci aussi à Tatan pour tes 100 bits, c'est Titan pour Extend ton sub, je crois moi doute, merci beaucoup. Floki là qui va récupérer son premier kill. Oh, il a même pas validé, il y a plus besoin, ils se sont juste tous validés tranquillement. Et du coup, 10 kills, 10 puntos pour l'instant. Vas-y, go bouger.
Ce sera possible de jouer clavier souris? Non, j'en sais rien, frère. Pff, en fait, c'est ça le truc qui m'énerve un petit peu, c'est que il y en a que des compètes évidemment où tu joues ce que tu veux, manette, clavier souris, etc. sur PC ou console. Tu peux faire les FNCS sur console, c'est pas un problème, tu vois. Mais là, ce que je trouve un peu relou, c'est que ils donnent la peine de faire un tournoi pour les consoles. Et il y a déjà tout le monde qui est là en mode ouais, je vais brancher moi clavier souris, gna gna gna, sur ma PS4, etc. Eh hey, frère, on rend pas fou, on s'en fout, tu vois. Genre. Attends, déjà, ceux qui vont même pas jouer sur PS5, déjà, ils seront bah, rip. Ils seront à moitié foutus parce que bah, la PS5 a un trop gros avantage sur toutes les consoles. Donc, bon, à partir de là, voilà quoi. C'est pas honteux, je trouve ça un peu naze, tu vois. Genre. C'est histoire d'aller entre guillemets sur un tournoi où logiquement il y a des moins bons meilleurs joueurs pour essayer de perf. Alors, Ah, devant moi, c'est pour devant ça moi. que je trouve ça bien, mais je trouve ça un peu dommage qu'il y ait autant d'argent pour une cup comme ça qui va être complètement biaisée au final. Parce qu'on va pas pouvoir dire ah lui il est vraiment trop chaud à la manette, parce que la moitié des joueurs vont même pas jouer Il manette fait au final. peut-être Donc, un. bon Il là. est déjà là-haut. Ah, mais il y en a un autre non? 85 blancs, 85 crack, mort. Allez, c'est mort. Da-da-da-dam. Reste, non? Non, il reste pas. Oh, attention par contre là. C'est osé quand même d'aller push les mecs sur la tour. Hein. Ouais, c'est mort. Je shake, je shake. Ah bah il s'est Il en pris reste une plus. flèche. Ok, d'accord. Il se casse là-bas. C'était très osé comme move, mais bon au final au final c'est free quoi. Il a un piment. C'est impossible. Il y a une autre team là-bas 3, go les push. Alors on va voir enfin si aujourd'hui le truc à fusée là, éclairante là, s'il va être utilisé surtout en trio. Parce que on a vu hier que c'était vraiment très très fort. Et là je suis un petit peu étonné qu'il l'utilise pas, surtout dans une game rush comme ça, je suis assez surpris. Après normalement ils ont dû comprendre la puissance de l'objet, enfin j'espère quoi du moins. Ah lui c'est bon, il a plus de vie, il va se faire soulever aussi. Ouais, ça dégage. Ah ça a déjà été enlevé! Oh bah c'est bien ça! Ça a été dispo pour une semaine, non? Ça a été dispo pour un jour. C'est bien. Dispo pour une cup, comme ça, pour un qualifieur, et puis toujours bah, il s'y met, quoi. Voir ça le bail. C'est grave quand même. Genre. Je suis avec toi. Ouais. Ils ont dû réaliser que c'était vraiment fort comme objet, peut-être. Crac. Ils ont dû se dire, mais attends, ouvert, mais en MM, c'est pas très utilisé, donc il se peut que ce soit pas très fort. Du coup, on va le mettre en compétitif, histoire de rajouter un objet en compétitif. Et hier, ils ont vu en compétition, on dit, ah ouais, mais les pros, ils savent utiliser les objets. Du coup, c'était peut-être beaucoup trop fort. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, bah tiens, on va l'enlever. Enfin, frère, c'est quoi ça? Hop là, ça dégage. Encore un autre kill de plus. 37 joueurs encore en vie dans cette game. On a 16 kills. 17. Non, 17, je crois. Là. Bam, Allez, badam, il fight, hein. bam, badam. On va avoir trouvé d'autres adversaires qui sont en train Donc, de se battre là-bas au fond. On va aller les go évidemment. Ah, on essaie vraiment de faire une très très grosse game hein, du côté de Floggy, Clément et des Siptos, mais on le sait de toute façon. Prêt 3, 2, 1. Oh, bah, c'est en bois, il va clairement tomber lui, il va pas avoir le temps de rebuild. Ah, il s'est un petit peu loupé par contre, attention. Garde l'œil à mort. J'ai l'œil, j'ai l'œil. Garde pas vraiment l'œil. Ils veulent prendre le pouvoir, ils veulent prendre le pouvoir. J'ai l'œil. Ça l'a pas vraiment pris, j'ai envie de dire. Il a fait deux builds, notre ami Floggy, et c'est bon, on va tenter de s'enfuir. Crac, 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 blanc, blanc, blanc. Blanc, encore une balle. Un KO là-dessus. L'autre est déjà au fond là-bas. Ah, je suis là, je suis là. Bah, lui, il est tout seul là-dedans, force à lui aussi. Il va rentrer dans la box de l'adversaire, il va essayer de s'enfuir, je pense aussi. Je pense que tu vas galérer, mon grand, à t'enfuir. Hein. Hop là. Bon, on a vu le dernier où est-ce qu'il était, il était déjà très loin. Mais ça fait un petit kill de plus, évidemment. Non, je l'ai fini à terre. Il y a une team là-bas, on peut la. Il reste 16 secondes pour le train, les amis. 16 secondes. Il y a le premier train qui va s'enfuir. Ouh, lourd le pouvoir. C'est tout, parce que cassez-toi dessus, ouais. C'est bon là, on spam, on spam, on spam, on spam. Tranquillou, tranquillou. On n'arrête plus. Bon. En fait, ça va pas nous détecter du tout en zone. Tu es tueur. Ouais. Non, mais parce que moi, je voulais qu'on fasse le bug, genre pour aller où on veut. Oui, on va pouvoir le tester. Merci pour le train, les potes, merci beaucoup. Ah ouais, jamais j'ai une tête. Ils ont fermé. Ça, c'est
fight à gauche. Boss fight à gauche, mais bon. Moi j'ai que tu les mecs derrière nous. Je leur rampe dessus. Ouais. Ils dorment un peu. Mort. En dessous. Ouais, je te tire que dessus. Bon, toutes les balles elles sont parties sur Clément au lieu de l'adversaire. Ça me termine. Y'a des flops aussi, y'a 4 flops, 4 flops. Prenez-les. Les points flammes, je mets des flops. Je vais mettre des devant nous, ici là. Ils ont rota, je crois, mais go les tuer. Ah, ils ont rota, go les tuer. On peut faire 40 kills en autre joke. Hein. Ça se bat en hors zone là-bas. Bah, ils peuvent faire une game, ouais, regardez. Ils sont déjà à 21 kills. Il reste 31 joueurs dans la game. Bon, 40 kills ça va être compliqué parce que bah, il va y avoir quand même des gens qui se tuent, mais il y a quand même des gens boxés donc. On peut potentiellement faire. Je sais pas, 30, 35 kills je dirais à peu près. J'ai eu mon kill, j'ai eu mon kill. Jure, il a eu le kill du fond là-bas qui a été validé. Incroyable ça par contre. C'est nice ça! C'est une bonne chose ça, même j'ai envie de dire! Attends, on pioche, on est en train de tuer des mecs. C'est ouf, frère. Ici, ici! Ici, ici, là, ouais! Venez! Ah, on a pris une sale balle là-dessus par contre pour Flocky. Bon, après, évidemment, on a beaucoup de heal, mais voilà. Et on continue à se faire aggro, attention à ça, parce que si tout le monde commence à nous tirer dessus, ça peut poser problème. C'est juste le team qui fait que nous spam, il casse les couilles. Même si on est au-dessus, on est contre tout le monde, on va se faire spam, à tout moment il y a des balles qui touchent et ça peut nous mettre dans le mal. Oh, il me faut juste du heal blanc, Ah, mais il reste box sur. Eh non, ils sont bons, hein. Ils sont vraiment bons sur moi. Il faut du heal blanc, les gars. J'ai pas, j'ai juste des piments encore, tenez. Non, il a un fiche, Clem, je crois, on voit un fiche. Non, mais attends. Ils sont vraiment pas mauvais. Alors regarde un petit peu. Attention. On l'a vu un petit peu late, du coup on a pas pu faire grand chose. On utilise un petit peu tout le build. Oh, le skin de Clément il est vraiment explosé au sol, mon dieu. Genre le skin est vraiment éclaté. On a mis une petite flèche là-dessus, c'est bien. Je les craque, on peut peut-être. Vas-y, il veut quoi le sanglier là? Va-t'en le. En haut de nous là. Ah si, t'as donné pour tes 100 bits, merci beaucoup. Alors, si vous voulez push, hein. On le rentre dedans. Venez. Je pense, hein. On va faire monter. Là, ils sont dans du bois, frère. Là-dessus peut-être. Oh, ouais, ça dégage. Ils sont deux. Attention. J'ai un petit peu de reddit tout ça, mais on a déjà récupéré, en plus il a été validé, c'est bien. Fais gaffe, c'est le team. Sur moi. Enfin, attention, moi. Hein. Je suis avec toi. C'est le team. En fait, on a envie de faire des kills, mais on peut pas non plus prendre trop de risques quand même, parce que. À tout moment, peut y avoir quelqu'un de caché et on se prend une grosse balle de space et ça peut être très très dangereux. La zone qui est pas très loin pour nous. J'arrive. Ça touchera pas, malheureusement, c'est un petit peu dommage alors que c'était bien joué. Sur moi, je replace. Moi, ça. Ah, tout le monde se bat un petit peu chacun de leur côté depuis tout à l'heure. Flocky il essaie de trouver aussi un adversaire, mais il trouve pas grand monde là. Et ça s'arrête pas encore, ça n'arrête pas, on est à 26 kills, il reste encore 17 adversaires dans cette game, même 27 kills. Mais finalement, j'avais dit 35 kills, mais si ça continue, on peut même dépasser les 40 en vrai. Hein. Ah là, c'est depuis tout à l'heure là, Flocky il tourne un peu en rond là, il sait pas trop. Il sait pas trop où sont ses collègues, où sont les adversaires, mais. Il y a encore un mec solo, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Par contre, on a perdu pas mal de builds aussi là-dedans. J'ai rien dit, on a tout récupéré à l'instant. Ouais, c'est bien joué. Oh, Deciptos, l'assassin, je reconnais ça. Deciptos, le hitman qui récupère tous les kills là depuis tout à l'heure. Il y a du stuff de partout, c'est bon, on est full mat, on s'en fout. Ça touchera pas là-dessus. Je vais pouvoir le tête. Go avec la moving, go avec la moving. 85. Il force lui là-haut. Dommage, le timing aurait pu être pas mal. A tout moment ça passait. Après ils sont très très hauts, mais nous on a beaucoup de stuff donc. C'est moi. Tête 50 à 2, à gauche. Oui, il me faut une grosse. Moins 100, il a pris sur l'ail. Il est crack. Je mets une grosse.
Ce trio mérite d'être en grande finale. Bah ouais, mais ils étaient à une place près la semaine dernière, malheureusement. Donc pour l'instant, ils vont 8. Ils vont essayer justement avec ce qualifieur là de, d'essayer de, d'esquiver justement les hits. Et ça va pas être si facile, évidemment. On le sait déjà. Je vais pouvoir tête. Oh bah, ça dort en face. Oh, ça dort tellement. Oh, ça dort tellement. Oh mon dieu, quoi. En sautant, frère, j'ai mis une tête. Il y en a un qui s'est pris un 200 au space, l'autre il s'est pris une tête à l'arc. Enfin bon, bah force, force les adversaires. Go, go, prendre full 31 kills actuellement, encore 14 kills. Potentiel. Ouais, c'est un peu loin ça quand même pour le space, évidemment. Là, là, ici, 30. On va mettre une balle là-dessus. Un break shield là-dessus. Clément aussi qui a récupéré un kill de son côté. Ici le second avec 35. Ah, très calme cette fin de game pour eux. Replace, là ça a l'air tellement facile au final. Attention par contre, il y a un bouga en face. On sait que ça peut aller très vite sur toi en late game. Ça c'est ton mate par contre. Les mini, on va mettre une grosse pote encore. Tranquillou. Il faudrait les tuer. On continue, on avance, on essaie de faire la petite double edit, l'adversaire qui rentre dans sa box, on a essayé un petit peu de timer ça, malheureusement non, et on perd, on va perdre un petit peu d'HP. Et un kill qui a été récupéré encore une fois par, par Deciptos. Plus que 11 adversaires dans cette game, on est à 32 kills pour l'instant. Il y en a même un de plus qui vient d'être fait dans, dans la tempête. On continue, il nous reste encore pas mal de builds de toute façon, donc aucun problème là-dessus. On attend peut-être une décale à droite si quelqu'un vient là-dessus, on a une petite info, on a réussi à break. Oh, pff, on a même réussi à le détruire. On l'a pulvérisé. L'adversaire qui a eu un bon petit timing par contre, attention à ça. Il y a un mec solo sur moi là. Il a réussi à récupérer tout le build de son pote qui, que Floki vient de récupérer. Sur moi les gars, mec solo. Ouais, c'est dommage, il a pas pris le temps de se healer parce que là il peut se faire one shot. Donc attention quand même à ça. Il reste plus que 7 adversaires, 5 maintenant. Il récupère encore des kills, on a 37 kills déjà les amis. Attends, on a pas l'œil, ok. 37 kills. Ah bah fallait s'en douter qu'on n'ait pas le high depuis tout à l'heure, on est en train de se battre, donc bon, il y a un moment faut, faut bien te dire que les autres ils vont essayer d'en profiter bien sûr, donc bon. 5 adversaires les amis, hein. Donc on peut dépasser les 40 kills dans cette game. Ouais, j'ai que 150 de boss. Il y a un mec solo. Moi c'est 50. Un gros spot qui est utilisé, c'est bien. Je suis avec toi. On essaie d'abord d'éliminer les joueurs qui sont en low ground. Décide-toi ce qui a pris pas mal de dégâts, mais il a quand même réussi à récupérer le kill là-dessus. Plus que 4 adversaires contre eux. On essaie de. Attention, attention de pas tomber de là-haut parce que ça pourrait surprendre certains joueurs par contre de tomber là. Ça, on a tout récupéré. Et c'est un 3v3, je me semble. Il me semble bien que c'est un 3v3. Ça remonte. On peut pas juste essayer peut-être de les faire tomber là-haut. Là, là pour l'instant ils ont l'avantage de la position, donc bon ils sont déjà pas trop mal placés je pense. Je pense pas que ça va jouer le heal sur la première game, ça m'étonnerait parce que si les mecs en haut ont pas mal de kills aussi, il faut se dire que les mecs sont, sont un peu en mode en mode full kill, donc non tu récupères pas full poisson etc pour te heal quoi. Ok, Deciptos qui a réussi à mettre un petit peu de dégâts. Attention! Bon, il y en a un qui est tombé, on vient de le récupérer. Je sais pas trop comment il est tombé, mais. On l'a récupéré le kill. Aïe aïe aïe, Clément qui va tomber. Ah bon, bah ok, Deciptos a tué tout le monde au final. Et du coup, un top 1. 43 kills, les amis. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. 68 points, ça commence plutôt